perdonado. Yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdonado. Yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo lo soporto en el ojo. Au travers des élections au Venezuela, cet endroit qui deviendra historique et qui devient mythique pour tous ceux qui ont suivi la campagne du Front de Gauche aux dernières élections. Et donc, je disais, parmi nous, il y a beaucoup de latino-américains, des franco-latino-américains présents, et comme on est un peu dans l'impulsion del pueblo, el presidente reelecto de Venezuela, Hugo Chávez. Hugo Chávez a eu un rêve qui était celui de Bolivar. C'est que tous les pays de Mexico à la Patagonie soient un jour un seul uni, comme c'est le peuple latino-américain. Comme on regarde aujourd'hui, le peuple latino-américain, il a été découpé, mais un jour il va être uni. Et la victoire de Hugo Chávez, c'est une victoire de toute l'Amérique latine. Et la victoire d'Hugo Chávez, c'est aussi la victoire d'Evo Morales en Bolivie. C'est la victoire des Coréens en Équateur. C'est la victoire de tous les pays progressistes. Et la Colombie aussi, ici présente. Un jour, sera partie de l'Alba, parce que l'Alba, ce sera toute l'Amérique latine. C'est une union sur la base de la solidarité et de la complémentarité. C'est à cela qu'on inspire tous les latino-américains progressistes. Donc vous aussi partagez cette solidarité et cette solidarité. Vous m'avez perdonné, je ne sais philosopher, pero lo que se me sobra, me basta para pensar que me tiene morado, ya de tanto trabajar. Usted me perdona, yo no sé filosofar. Los dos. Y el placer de hablar español, que hacemos con él. Como dice Chávez, hay que leer, hombre. Y dice uno así, y tú Martín, dice por favor, de los golpes, tú sabes, tú me dices uno. Il faut rire, c'est la consigne de Chávez. Il a dit ça à l'Assemblée nationale à la fête de l'indépendance. Et qu'il faut rire, mais pourquoi vous faites cette tête, il dit à l'opposition. Il dit, je suis en train de parler de coup d'État. Il se tourne vers un et il dit, mais toi Martin, tu sais un coup d'État, tu m'en as fait un, m'en fais un peu. Et comme ça. Et moi ça m'a impressionné parce que c'est une belle façon avec l'humour. L'humour fait partie de nos armes. Bon, mes camarades, mes amis, d'abord, j'adresse un salut très amical et fraternel aux représentations diplomatiques des pays des révolutions démocratiques de l'Amérique du Sud qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Je salue mes camarades du
front latino qui s'est constitué sur la base de vieilles amitiés nouées dans les luttes des années 70 pour quelques-uns d'entre nous qui ne sont plus des jeunes gens, dans les circonstances souvent terribles des années de plomb que tout le monde a oublié. Enfin, je ne veux dire pas nous, hein, mais les commentateurs qui discutent de la dictature qui, paraît-il, s'exerce au Venezuela et ailleurs, oublient ce que le mot « dictature » a voulu dire pour les nôtres, c'est-à-dire des assassinats de masse, des gens qu'on achetait depuis des hélicoptères, des camarades qu'on a tués, torturés, massacrés par paquets, 30 000 en Argentine, 4 000 au Chili, des milliers en Uruguay. Le président actuel de la République, le camarade Pepe Mujica, a encore 3 balles dans le corps. Voilà la vérité. C'est ça que veut dire une dictature. C'est pas des élections où il y a, après qu'on ait entendu parler du parti unique qu'il y aurait au Venezuela, vous vous en souvenez, c'était il y a 4 ans. Chavez avait décidé de faire un parti unique. Il y a 40 partis dans ce pays. Il était dorénavant président à vie. Il y a des élections tous les 4 ans et cette fois-ci, il y a 7 candidats. Étrange parti unique de ce pays où il y a tant de partis. Étrange présidence à vie que cette présidence qui se renouvelle tous les 4 ans avec 7 candidats. Il en faut hein, de l'effort. Toute la journée encore, ça a dégouliné sur tous les écrans, toutes les chaînes de radio, tous les journaux, à quelques exceptions évidemment, les nôtres. Mais nous, c'est clair, on est de la presse d'opinion. L'Humanité, c'est un journal d'opinion. Vous achetez l'Humanité, vous savez, vous achetez un journal de gauche. Vous achetez Politique, vous achetez un journal de gauche. Vous achetez Le Monde Diplo, c'est un journal de gauche. Etc. Enfin, pas tant etc. que ça. Mais tous les autres, vous achetez Le Figaro, vous savez qu'il est à droite, c'est normal. Mais les autres, ils font semblant d'être objectifs. J'ai entendu un pauvre mannequin qui recycle les fiches que distribue la CIA et les autres agences d'influence débiter cette bêtise sur le dire à la télé et disait « La criminalité est ¡Viva la patria!